Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je serai accompagné de mon cher ami Hiroshima mon amour. Tu dis pas bonjour? Ah bon, pas grave. Donc on sort. Bonjour tout le monde. J'ai cru que t'allais me laisser tout seul pour cette vidéo, méchant. Donc on se retrouve cette fois-ci sur Wargame Around Battle comme promis. Ça fait un moment que vous en parlez, je vous en fais une petite dessus. Pour la spéciale 100e vidéo, bien évidemment. Hein. Je vous expliquerai pas le jeu, si vous voulez des explications sur le jeu, vous allez voir The Selkarest pour les explications. Là, ici, on est uniquement là pour se détendre et passer un bon moment avec moi et Hiro. Et c'est parti. Et avant tout, je vous remercie de me suivre en fait depuis si longtemps. Hein. Ça fait quand même 2 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc ça fait 2 ans que vous me suivez. 100 vidéos, c'est énorme, faut dire ce qui est. Tu veux que je m'occupe de l'hélico de commandement? Non, on va se faire shooter. D'accord. Donc je vous remercie vraiment de me suivre depuis si longtemps. Et pour vous remercier justement, je vous ai préparé cette petite vidéo. Enfin préparé, c'est de l'impro hein. Pour changer mais bon. Donc moi j'espère que ça vous plaira. Bon, bizarre qu'il n'y ait pas d'aviation ennemie, bon bah. Alors, les unités qu'on a, Hiroshima est parti sur un deck mix, donc un peu toutes les troupes de haut temps possible, et moi j'ai pris un petit deck du Danemark. Faut bien troller un peu de temps en temps quand même. Hein. Donc voilà. Donc maintenant je vous souhaite à tous de passer une bonne vidéo. Que vous vous amuserez bien à regarder, parce que nous on va faire comme d'habitude quand on joue à Wargame, on va parler comme d'habitude, hein. Comme ça vous pouvez voir un peu comment ça se passe quand on joue en équipe sur ce jeu. Voilà, bonne vidéo. Bon. Il y a deux hélicos d'attaque. Ils ont deux commandants, je sais pas ce qu'ils font. Pas de communication je pense de leur côté. Je sors deux blocs 1, il me faut vite deux. Du bombardement. Ah, Oui, de mon côté, il n'y a rien quasiment. Ah si, le code commandement, il s'approche de mon côté, d'accord. Tu veux quelque chose à droite, un commandant, je sais pas. Rien du tout, je vais commencer à attaquer tout de suite. Ton H, trop tard. J'ai deux Tungusa qui se dirigent sur le côté gauche, donc l'aviation sera un peu à out pour l'instant. D'ailleurs, en parlant d'avion, en voilà un, sûrement un Yak, je dirais. Peut-être deux même. Ouais, deux Yak. Pourquoi pas. Si en plus ils se plantent dans nos rats à cramer. Thank you.
Et bah tes amis X30 sont réveillés hein. Oh, d'habitude ils touchent jamais rien ces chars. Bah maintenant avec le DLC ils ont été augmentés au niveau de leur précision. Ouais. Ça mine de rien c'est bien, ça remet au moins un peu à la mode ces chars là. BMPT. J'espère honnêtement que c'est pas pour ma gueule que je déteste ces chars. Moi j'ai 2,88 de sortie. Oula, ah d'accord. Je t'envoie un hélico en t-shirt. Ouais, non, j'ai déjà. Mais vaut prévoir troc pas assez. Un yak 3 au sol. Commandant en vue. Où ça? Ici. Je peux appeler des pièces d'artillerie si tu veux. Allez, je vais les appeler. Ouais, les BMPT sont bien pour ma poire. De pèse artérie, c'est peut-être léger quand même dessus. Oh, mais tu fais massacrer les BMPT 1D là. Il a bougé le camp, tant pis. On en est terminé là. Hein. J'hésite en fait à envoyer un avion au sacrifice quoi. Bon c'est bon j'en ai envoyé un, t'inquiète pas. Donc, franchement c'est pas le problème d'en envoyer. Mince, mes avions sont allés du mauvais côté, je vais qu'ils aillent à droite, ils sont allés à gauche. En rotation, tant pis. Bon, moi tu l'as eu. C'est mal les 80 qui m'ont... Tu m'étonnes.
Mes hélicos approchent pour t'aider. C'est bon, il se replie à cause de mes hélicos. Dans un allez touche ah non bon va bah, les faire se replier au moins ces hélicos. Bon j'ai mis 31 bien. Je demande le bombardement du commandant ennemi de mon côté. Bon, par contre, il y a un petit temps de latence, c'est dommage. Ah, j'aurais eu le commandant avec un direct hit. C'est bon, commandant détruit sur Delta. Je l'ai finalement fumé. J'aurais dû désactiver salut. Ça. Salut. Encore des Yak 3 pour changer. Mes deux taux sont ravitaillés, ils reviennent vers toi hein, quand t'étais 80 U.
par assaut, hein. Ça va bientôt péter. Ouais, j'ai vu qu'ils viennent. Il y a une seule Tungusta, donc c'est un peu les joueurs des CA. DCA, donc l'aviation peut se faire plaisir sur Delta pour l'instant. Et j'ai trouvé le commandant de Golf. Salut Fabrice. Salut. T'as du napalm? Ouais, t'en veux. Modo Strelki sur Delta. Parti. Ici. Ah ça y est, ils ont enfin mis les réservistes en prototype. Putain, c'est pas trop tôt. Ouais, c'est le dernier patch qu'ils a fait ça. Ah bah putain. Ah, j'ai un avion qui s'est crashé sur mes centurions. Ils ont fait quoi comme patch récemment? Ben beaucoup d'équilibrage, faudrait que tu regardes directement sur le forum. Ouais bon, quand c'est des petits changements à la limite. Ben c'est pas des petits changements justement, t'as les ATGM qui ont été totalement remaniés, l'infanterie qui a été retouchée entièrement, t'as les... Qu'est-ce que tu veux dire par infanterie totalement retouchée? Ben la vitesse de dépassement des infanteries, hors galon, tout ça. D'accord. Y'a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils prennent 2 km/h quoi. Après t'as les motostrelki qui ont été touchés, le ravitaillement je voulais dire. Donc t'as tout le ravitaillement des troupes qui ont été changés, t'as les unités sniper qui ont été totalement retouchées et changées. Il y a des nouvelles unités là. Et le DLC des unités n'est pas encore arrivé. Ben là il y a une infanterie américaine, Mountaineer. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que j'aurais fait la mise à jour sans m'en rendre compte alors. Mountaineer américain là. Moi, il y a un des decks que j'avais, il n'y avait plus les avions, je m'en suis aperçu quand j'étais en partie. Oui, oui, c'est... C'est bon, ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que les avions, en fait, certains avions, par exemple, je sais, sur le Danemark, certains avions, ou en Norvège, par exemple, ils ont été modifiés, certaines de leurs capacités. Par exemple, des modifications de bombes ou de stade, donc moi, c'est mes anglais aussi, ça. Mais c'est... Regardez. Du coup, c'est embêtant. Ouais, faut que savoir, oui. Ouais, t'as des nouvelles unités. Il y a une nouvelle unité, d'accord, je retoucherai mes decks après. T'as des américains, bon les américains c'est des espèces de... c'est quoi? C'est encore des dragons donc... par contre ils sont 15. Ah, et les sortes de réservistes en mon avis, ça doit être américain. Non, parce qu'ils coûtent 20 points quand même. D'accord, c'est pas des réservistes. Ouais, c'est ils ont une M16A1, ils ont des dragons 2 et une batteuse. Et ils sont 15. Avoir l'intérêt quoi. À mon avis, j'ai pas envie de dire, mais personne qui vont regarder la vidéo vont se demander en fait si tout ce monde qui vient. Ah, parce que vous êtes en train de scripter là? Ouais, je suis en train de fumer, mais je m'en fous de toute façon. Ah, faut le dire. Mais non, vous faites partie de la famille, vous avez le droit de venir et repartir quand vous voulez, ça gêne pas. De toute façon, s'ils sont pas contents, ils ont pas qu'à regarder la vidéo. Hein. Et point final. Ah, ils m'ont demandé de faire une vidéo sur Wargame depuis un moment, et là je profite de l'occasion que c'est ma 100ème vidéo que je vais mettre sur YouTube, donc j'en profite de faire ça sur Wargame avec quelques-uns d'entre vous. Si ça porte pas qu'on soit plusieurs et que vous parlez en même temps sur le même bug, c'est pas grave, hein. Donc à pas regarder. GG. Ah, déjà? Ah bah voilà. Ah, bon bah j'ai rien fait du tout, ok. Moi c'était glandouille partie ça gars. On s'en met une? Allez, je stoppe cet enregistrement et je vais reprendre dans la suivante.